pour mettre dans la tête, yo, pour y a résoudre des problèmes de sécurité dans des espaces physiques qui mélangent population et bandits, et avec des méthodes policières. La police fait travail. On ne peut pas la police te mène dans l'investigation. Il y a des gens qui sont réfugiés dans l'hôtel, il y a même des policiers qui ont mené une investigation. Ils connaissent et jouent à chercher les gens dans l'hôtel et pas jouer à travailler sur eux. Donc, au contraire, la police a fait pour avoir plus de moyens pour augmenter le fonctionnement, la potentialité de CPJ, qui a des gens très qualifiés, qui ont travaillé, qui ont fait travailler. Donc, moi, je crois que c'est là pour investir. Pour quitter la police, faire travail la police, et pour prendre d'autres mesures pour résoudre problèmes de sécurité dans la nature, problèmes qui sont là. Et il y a une politique blindée, bon, moi-même, honnêtement, moi, plus que la stratégie blindée, c'est une stratégie commerciale. C'est des gens qui ont blindé pour vendre, donc, qui vendent des véhicules qui ont besoin de vendre, et c'est des gens qui ont besoin de faire pourcentage dans le ristoun, qui ont acheté des bagages. Dans tout pays au monde, la police gagne des véhicules de transport de troupes. Mais véhicules de transport de troupes, c'est des véhicules qui sont achetés pour protéger des gens qui peuvent faire des raids terrestres. Parce que le premier bagage, problème véhicule, la guerre, c'est limiter le nombre de gens qui sont engagés dans l'opération. Donc, est-ce que, par exemple, qui quantité blindé pour gagner pour aller débarquer dans une zone qui gagne des bandits qui gagne 150, 200 petits bandits petits qui gagnent des âmes dans les mains? Et pour le faire. Donc, la police a toujours fait travail, elle a une capacité pour faire travail. Il faut qu'il augmente la capacité. Ça, maintenant, il faut que la population ne prenne pas l'illusion que la méthode policière est capable de résoudre le problème. Je ne dis pas de faire mesdames, faire foulaille dans le problème. Non, non, parce qu'on doit faire ça tout. Mais résoudre un problème de manière définitive, ce n'est pas pour demain, la méthode que vous choisissez. Guillaume, qui t'a fait quoi que la police là. Il n'est pas arrivé à réaliser beaucoup de filets. Non, Belès, c'est par rapport à un manque de planification qui fait. Moi, pas qu'à émettre opinion sur ça. Parce que, pour moi, qu'on connaît qui gens, monde qui sont Belès, qui sont organisés, côté yoye, qui quantité yoye, qui quantité zame, parce que c'est donné ça qui pour permettre de planifier l'opération. Ensuite, pour aller faire l'opération, pas oublier que c'est dans l'espace urbain, c'est côté des gens qui sont dans la caille, qui vivent. Donc, moi, je n'ai pas de données qui te permettent de prendre des décisions. Hein. Moi, je n'ai pas de résultats d'opération. Seul bas, je connais, je suis certain. Si vous attendez, par exemple, vous commencez une opération là, je vous dis, opération, normalement, si c'est opération, elle n'est pas faite pour une rupture. Ou pas capable commencer une opération, ou pas atteindre l'objectif là, et puis vous retournez là, caillou. Parce que l'opération dit, ou bien tout donner dans le monde qui permet ou assiéger la zone ça, ou résoudre le problème là, ou nettoyer la zone là. C'est pas le travail de la police. On a ce moyen. C'est ça, nous, moi, pas qu'on est, moi, pas qu'on a qui caractéristique ennemi qu'il n'y a pas affronté. Côté ennemi localisé, qui moyen ennemi a gagné, qui système campagne que ennemi a fait sous population côté l'IA, et yon même qui sa yon gagné nan men pour yon opposer à li. Jou après ap gen opération tout bon en Haïti, ou après gen de coordination aérienne qui a fait avec moun ki yon sol yon. Parce que ou pas kap mener opération sou pa tande, sou pa wè. Et qu'on va y aller ouais en continu. Ça veut dire que sous à terre, ou pas forcément ouais tout ça qu'a fait sous scène, sous théâtre qui devant là. D'autant que c'est un côté gain de citoyens civils qui pas eux-mêmes des guerriers ni des bandits, ou pas tomber tiré de manière inconsidérée. Donc faut ouais et là en dans une ville des opérations c'est des raids que t'as habillé. Et qui fait avec une précision chirurgicale de bagaille qui pas durer entre 30 minutes et 1 heure de temps et pour prendre objectif là vraiment et pour replier avec ou bien éliminer. Maintenant les méthodes policières comme je toujours dit la police travaille
travers par là qu'on fait, faut pas confondre la police à utiliser la police comme c'est des militaires qui t'a monté à la soie, etc. Donc tant que ils ont engagé en dedans une réalité qui est différente de savoir-faire, yo a toujours gain de meilleurs résultats. Maintenant ça qu'on est pour le faire ou elle mène enquête, les joindre de monde qui n'ont liaison avec affaire bandit, parce que c'est ça la police qu'on fait. Et là qu'on y est, c'est au lieu d'apprendre pile l'agence m'a permis gagner tout partout, renforcer des CPJ, permettre qu'il y ait des formations qui fait, permettre qu'il y ait des renforcements de monde qui fait pour la police capable de faire travail comme faire qu'on fait. Si on a quoi vidéo qui a circulé avec voice qui a circulé tout ça, qui a fait nous sortir que la police monsieur police a mis des pieds à terre parce que bah dire yo confisqué les armes et casques avec bagages qui étaient chargés qui étaient bagages balles pour la police là. Est-ce parce que c'est parce que la police a pas de gain information de territoire qui fait que yo arrivé perdre du matériel ça, ou du moins est-ce que c'est parce que nous pas gain hélicoptère qui capable aider nous faire combat qui permet que nous toujours apprend coup de balle dans même monsieur examen. Bon, les narratifs et qui lié à des opérations, faut toujours prendre ça avec un peu de recul. Parce que la propagande, que ce soit la police qui a fait propagande par, que ce soit M. Bandio qui a fait propagande par, visait un objectif pour blaser l'autre là, pour montrer l'autre là plus faible. Il ne va pas parler là. Il ne va pas faire pile pète, oui. Il va parler de pète par lui pour ne pas craser moral tout par lui. Donc, il faut prendre un narratif avec beaucoup de recul pour comprendre qui est la vérité. Maintenant, on dit par exemple que des bandits disent qu'ils prennent des armes à la police. Là, on montre aux armes. Comment on va faire connaître si ces armes à la police, si ces armes à eux. Donc, dans un narratif de guerre, il faut prendre pile précaution parce que la parole qu'on dit vise à faire une série de monde, quoi une série de bagailles. Tant de monde qui sont en campagne que de monde qui est en face là. Il y a des bagailles pour attaquer moral, monde qui est en face là. Et il y a dit de bagailles qui pour renforcer moral moun qui avec yo. Yo gen doit perdre 20 nèg yo doit croiser 2 nèg yo gen qui t'est blessé. Et la police a qui doit dire même bail là tout. Et narratif de guerre faut prendre pile précaution avec lui. Maintenant ça nous gen là pas gen bluff la donne. Jour gen résultat vraiment gen des noms qui vont attendre. Gen des noms moun tout temps nous pas attendre ou bien arrêter moun ça ou bien moun ça tomber au combat. Ou bien yon neutralise moun sur de bagaille. C'est que c'est parlé, n'a parlé autour de bagaille là. Mwen te wè général Koni te réuni avec tout état-major, t'a fait séance d'état-major. Sûrement c'était pour faire monitoring et opération qu'a fait pour la baille indication parce qu'on est les opérations comme ça, les grands généraux yon tout réuni. Et puis, il a évalué la situation, il a passé comme un bantou, il a bâillé conseil, il a évalué les gens qui sont blessés, il a descendu à côté au secours à l'hôpital. Donc, nous avons dans un gros bagage sérieux que les gens sont pour prendre pour faire le théâtre de manière consciente ou pas. Mais où tu prends, pas qu'il y ait un résultat, où tu prends, j'ai pas. Le journaliste a fait quoi que le fait que pour IPM Gare Koni était descendu l'hôpital Benameuse à l'ouest, policier qui était blessé, n'ayant des sacs qui étaient vraiment médiatisés, c'est un gros erreur stratégique que lié pour la police. On va faire connaître qui je parle. Pardon, général Koni, général qui ça? Il était descendu l'hôpital Benameuse hier pour le Taloué, policier soit qui était blessé dans l'affrontement. Il y a un premier analyste qui a fait quoi que c'est une erreur stratégique que la police a fait, étant donné que des sacs étaient vraiment médiatisés, plusieurs médias étaient là. Bon, et comme moi dis, moi pas gain élément d'appréciation là même. Le général en chef qui est sur le terrain des opérations, c'est général Koni. Donc c'est lui-même qui a évalué qui bonne décision pour le prendre. S'il y a des hommes qui étaient blessés, il descend à l'ouest. Moi crois que c'est un bon bagage que l'a réconforté monsieur Sayo, d'autant que moi crois, il dit que nèg sous lit l'hôpital est côté blessé. Je dis c'est tant y'a tant de fin guéri là pour repasser à l'assaut. Donc la peut stimuler moral nèg yo, la peut encourager au son bon bagaille. Et n'a fin avec question ça colonel. Nous connaît que le sage c'était un monde qui reconnaît reconnaître très longtemps qui était à pour qui était chef commandant de l'armée qui est remplacé par des guerriers que tout le monde t'a fait croire qui est nationalité américaine. Est-ce que vous pensez que le remplacement c'est un bon choix lié pour
pour FADH là? Bon, moi-même, je crois que ce sont des décisions d'État. Et avant, mon qui prend décision, il a évalué la situation générale qui était là, résultat que le débat. Objectif qui est dans la tête, avec le projet que vous avez pour la mer, il a estimé son lot général pour faire appel à lui. Ça prévoit dans le règlement, il n'y a que faire un choix. Maintenant, seul bagage nous avons, que le tabac général ça, les moyens et la liberté de penser et d'action pour être capable d'accomplir la mission que vous prétendez capable de faire. Mais pour faire ça, il faut le matériel, il faut le équipement, il faut le moyens et surtout il faut le personnel préparé. Ou même qui sont même intéressés avec la sécurité pays, est-ce qu'on peut faire tête ou le devoir pour que vous êtes capable de faire une enquête sur le nouveau général Derby Guerrier? Par rapport avec non, mais moi, je connais général Derby Guerrier. Général Derby Guerrier, tu es élève de l'Académie militaire, tout comme général de Sage. C'est deux monde que je connais très bien. C'est deux monde que je connais. Ça a plus de 40 ans. C'est deux monde qui étaient instructeurs à l'Académie militaire. Je suis vivre pendant une période assez longue avec eux. C'est deux monde que je connais sous potentialité. Je connais ça au café. Je connais ça au café. Nous connaissons ça, nous ne pouvons jamais faire. Nous connaissons ça, nous sommes capables d'accomplir avec les moyens que nous avons gagnés. Donc, ce n'est pas deux mondes qui sont étrangers. Moi, je pense que si nous avons les moyens humains, les moyens matériels, la logistique, nous avons des résultats que nous sommes capables de atteindre. Donc, ça va dépendre de qui ça le général là. Parce que c'est le général, c'est lui qui va évaluer la situation. Hein. C'est lui-même qui va faire requête. Et c'est le gouvernement avec le CPA qui peut bailler les moyens pour qu'il un résultat. Écoute, premièrement, nous parlons de 8000 personnes. Ça t'a étonné que une structure militaire ou policière en Haïti t'a arrivé à accepter d'inscrire 8000 personnes en Haïti. L'un a dit, il faut réfléchir. 8000 personnes, un dispositif pour faire examen pour 8000 personnes, c'est un dispositif et logistique extrêmement lourd. Ensuite, pour faire un examen médical au niveau de 8000 personnes, c'est un bail qui est presque impossible à l'heure actuelle. Presque impossible. Généralement, si on fait une classe de 50 personnes, il est supposé pour un maximum de 500 à 600 inscriptions pour qu'à briver joindre 50 bon que vous besoin. Maintenant examen ou parler on va faire de examen médicaux. Bon, naturellement on renseigner sur ça parce que on fait partie de staff de recrutement. Moi-même on plus travaille sur l'évaluation physique, l'évaluation intellectuelle, l'évaluation psychologique. Mais quand tu as une évaluation médicale, là, c'est que vous avez médical et vous voyez un rapport avec les considérations sur chaque monde. Motif qui fait rejeter, motif qui fait que vous prenez. Donc, moi-même, l'homme l'examen examen médical, je n'ai aucune capacité pour m'intervenir sur lui comme officier. Moi, juste prends sa médecin à dire. Maintenant, moi, pas quoi non plus que un examen médical dans l'armée capable objet de parler public, de publicité publique. Ça me sûr. Moi, je suis sûr que pas aucun médecin dans l'armée et pas aucun médecin qui a droit non plus. Les films font examen médical pour le monde et puis pour le rendre résultat examen en public. Moi, je crois que ça, c'est parler en pile qu'a fait autour de bail là. Même quand un médecin va aller, médecin fait consulter où, son bail qui était entre médecin et vous-même, il n'y a pas de rendre public. Et encore moins un médecin militaire. Donc, moi, je crois que c'est des paroles en pile qui ont fait tout ça. Moi, je crois que je suis le colonel Al-Zufa, qui a une responsabilité dans la structure médicale de l'armée. Tu as parlé sur ça. Ce n'est pas de bail que j'ai fait dans l'armée pour faire un examen pour le monde, pour parler d'examen, ni en positif, ni en négatif. Donc, ça, c'est narratif qui a fait autour de questions. Hein. Moun qui a fait parler en pile, de parler des fois intéressant. Et nous avons des débats extraordinaires. Il dit qu'un médecin n'a aucun capable de rendre public appréciation le fait sur le corps au monde, même sur le niveau psychologique au monde. Donc, moi, je crois que ça, c'est parole, ce n'est pas un bagage qui
gen pou louè avec la réalité. Maintenant, est-ce que gen un candidat qui est capable de poser question et répondre et puis candidat le tomber parler de ça, ça son l'autre bagaille. Même si c'est pas jamais fait ça tant dans le monde civil encore moins dans le monde militaire. DG Jean-Claude Joseph a plus de 400 lots dirigeants dans tout le pays a vraiment a dirigé. Nous connaissons que dans quelle situation le pays a trouvé. Nous-mêmes, comme journalistes, ils ont attaqué nous. Ils ont attaqué la presse. Pouvoir en place ça, nous sommes dans un souci pour empêcher le peuple à revendiquer. Dans un souci pour empêcher la presse de vérité, nous avons arrangé. Même la presse a intimidé. Même la presse a attaqué. En pile dans le coup frais concernant nous là, je dis à la, yo pas libre parce que y a fait, yo dit nous pas qu'il doit parler, nous pas qu'il doit chercher information. Ce que nous-mêmes nous dénoncer. Depuis journaliste n'a pas entré dans sa mauvaise affaire. Depuis journaliste dans lui-même, c'est dans le cadre chercher information lié nous-mêmes nous avec. Depuis c'est information la chercher. Jean la loi m'a dit ça. Dans Ola, opération Libère Haïti, qui sont opposition plurielle, qui prend engagement pour lui retirer le pays dans sa lié là, il y a ensemble activité légale que nous-mêmes nous déjà entamé. Nous connaissons la constitution, nous n'avons pas prévoir bagay qui rele conseil présidentiel. Tout journaliste qui là c'est mon expérimenté. Nous connait li. Nous wè clairement pas de pièce côté dans constitution ça qui parlait de conseil présidentiel. Et bien nous wè que CARICOM avec une équipe nèg qui dans volé ici, yo met tête yo ensemble, yo bay tête yo un titre qui rele conseiller président qui pas existé. Sous base ça nous-mêmes dans opération Libérer Haïti, nous déjà fait ça la loi dit nous fait. Nous faisons une citation directe au correctionnel contre 9 moun sa yo pour usurpation de titre et de fonction. Nous comprenons ça veut dire le ou bay tête en qualité ou dit ou c'est conseiller président constitution va prévoir loi dès que c'est l'argent l'état ou faire ça usurpation de titre et de fonction et constitution li pa bay droit ça et code pénal là lui-même li punit ça sévèrement. Ça veut dire comme clair avec nous très bientôt n'après monsieur dame ça gagne pour comparaître devant tribunal correctionnel et d'après minote nan bay tout parce que pays a pas carré comme ça. Deuxième action nous-même nous poser dans opération Libérer Haïti, nous portons plainte au niveau de cabinet d'instruction pour corruption pour monsieur dame Sayou. Il y a décaissé l'argent l'état et il y a un scandale côté que il y a trois parmi volé Sayou, trois parmi et ici pas toi Sayou, yo dit qu'il a braqué une banque pour prendre 100 millions de gourdes. Et bien puisque il y a corruption, nous portons plainte au niveau de cabinet d'instruction pour corruption et détournement des avoirs. Troisième bagaille nous-mêmes dans l'opération pour libérer Haïti, réveil national et alliés, nous fait l'opposition. Constitution va nous droit pour nous manifester. Constitution va nous droit pour nous dire que les bagailles pas marché. Pour nous dire que li pas marché et pour nous vraiment prendre responsabilité. Eh bien, nous avons une date qui était 11 ans. Côté que machine avec plaque officielle, tu es déjà venu camper Delma 32 en langue cousin blanc. Côté que nèg yo tenté assassiner chef opposition, il s'est déjà Jean-Tel Joseph. Nèg yo tenté assassiner plusieurs membres
Mais l'opposition qui était présent, t'as coup ingénieur Saint-Amand, t'as coup maître Caleb Jean-Baptiste, t'as coup M. Gary, t'as coup Astrel, t'as coup plus. Ils ont tenté assassiner M. Dinarov, ils ont tenté assassiner des milliers d'Haïtiens qui étaient déjà près la rue avec gaz acrymogène et ont tiré balle. Ils ont tenté assassiner M. Gabriel, Gabriel Wadeline, un avocat. Qui n'a bloc avocat engagé, yo poursuivi, il vient juste devant le cabinet, yo tiré sous lui à balle réelle. Sous base ça, nous même dans l'opération libérée Haïti, nous même dans l'opposition plurielle ça, qui structuré, qui pas même ça qui passé avant yo, nous déjà préparé yon plainte pour nous porter cabinet de succion contre Nomil Rameau et directeur départemental l'Ouest là. Pour tentative d'assassinat et violation de l'amour. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour la constitution de nous pour manifester, pour nous voir assassiner nous, pour nous violer les droits. Non, et même plus ça, nous allons porter cabinet de succion contre DG Nomil Rameau et DDO1, nous allons acheminer plus ça sur le plan international tout et national parce que nous allons voir. By plusieurs structures, organisations droit moun. Dans l'ambassade, plusieurs structures, organisations droit moun. Dans le monde, et nous allons voir le ça en Haïti tout pour montrer comment la démocratie pas respectée, comment la constitution pas respectée en Haïti. Ça veut dire la faire suivre ça dans l'opération libérée Haïti. Pour avancer, dans l'opération libérée Haïti, nous tendez que on bagay krele comité pilotage. Mes amis, est-ce que la constitution de prévoit bagay ça que le comité pilotage? Non. Soit qui assassin corrompu qui veut faire l'argent, qui va vle tendez raison, qui va vle bay moun qui ka diriger Jean DG Jean-Tel dit ça en tant que chef opposition, tant que l'autre membre dit ça, il a fait démagogie. Nous pral sommet tout le monde qui t'a gagné pour rentrer dans bagay ça. Nous prenons le sommet toute entité. Nous tendez qu'à désigner moun pour envoyer dans le conseil électoral provisoire ça. Nous prenons dit moun ça yo. Moun ka ba ou mission ça pas gè droit. Attention, article 44 code pénal là, il prévoit ça que les complices. Si yo accepté désigner moun yo fait un complice et a tombé sur le coup du code pénal haïtien. Et si moun sa yo, yo ta di yo se même CP, yo ta gen malheur, yo ta di yo prête serment, et bien là, nous pral poursuivre tout pour usurpation de titre et de fonction. Parce que c'est la loi. Nous pas qu'à accepter ça. Mes amis, quel que soit moun qui connaît ou fait droit, avec demande, conseil présidentiel ça, ou fait droit, avec Gary Koni, si on demande li fait ou, nous regrettons ça pour nous-mêmes, nos opérations de Haïti, ou pral répondre question la justice, parce que nous. Li écrit noir sur blanc que 7 octobre qui a venu là, c'est conseiller président Smith qui pral assurer la coordination, sinon la présidence du conseil présidentiel de transition. Pas gain à sortir de là. N'a rappelé peuple haïtien, nous avons remarqué, dans le dernier jour, ça y est, d'un pile tractation politique, en pile matraquage à tergiversation. Matraquage politique, ça y est, c'est perspective qui visait un complot, un coup d'État. Coup d'État pour violer accord et résolution qui publié dans le journal officiel pays qui dit noir sur blanc comment le pouvoir transition doit diriger. Nous remercions pour le déplacement. Nous remercions parce que nous sommes favorables à l'invitation du parti politique d'aider côté de fixer position par rapport à la politique, par rapport à la conjoncture politique actuelle. Aider préoccupé par l'évolution de la transition et nous préoccuper comme parti politique moderne, démocratique, qui inscrit dans une démarche inclusive, côté que nous participer dans la rédaction en accord après plus de 32 mois de bataille
dans le pays, nous avons opté pour une transition, pour nous faire une gouvernance intérimaire qui est responsable et pour bataille, pour adresser les problèmes d'insécurité dans le pays et pour bataille pour résoudre les problèmes, misère, grand coup dans le pays et pour nous arriver à tourner dans l'ordre démocratique, institutionnel et constitutionnel. C'est peut-être ça, nous bataillons pour nous accoucher un pouvoir de transition qui est inclusif. Et c'est bataille ça qui permet, jodi a, nos conseils présidentiels de transition, nous gagnons Petite Dessaline et nous te bataillons pour gagner Réveil National. Bon, nous pas arriver à gagner Réveil National, mais nous gagnons avec nous des partis de masse, partis qui défendent le peuple là, d'un coup Petite Dessaline. Ça, c'est bataille nous. Nous pas nous bataille côté que nous besoin rayer. Nous bataille côté nous goumer avec l'autre. Nous besoin bataille réelle côté tout petit pays là, mettez-vous ensemble pour nous sauver le pays. Ça, c'est préoccupation par les partis politiques aidés. Nous réaliser dans le pouvoir transition ça, gagner certains acteurs politiques qui viraient de bail. Tout ça, vous êtes entendu sous lit dans l'accord 3 avril 2024 là, et qui décidait par la suite et faire l'autre affaire ou aller à l'encontre de toute démarche démocratique, administrative, qui va permettre le pays à sortir dans sa lière. Nous avons cité notamment adresser réellement le problème d'insécurité, faire apaisement, organiser élection crédible, inclusive et transparente dans le pays. Aider comme parti politique, rester attaché à l'accord 3 avril 2024 là. Résolution avec décret qui publié 27 mai 2024 là, qui précisait noir sur blanc comment toute grande décision yo doit prendre en tant que conseil présidentiel là pour diriger à bien pouvoir de transition. Et de quoi non accord avec résolution qui publié dans le journal officiel PIA Le Moniteur, qui précisait non seulement l'ordre de 4 tours de présidence qui va gagner durant la période intérimaire, mais qui précisait aussi les gens qui va assurer la présidence du conseil là pendant la période intérimaire. Lui écrit noir sur blanc que 7 octobre qui va venir là, c'est le conseiller président Smith qui va assurer la coordination, sinon la présidence du conseil présidentiel de transition. Pas gain à sortir de là. N'a rappelé peuple haïtien, nous avons remarqué, dans le dernier jour, il y a eu pile tractation politique, en pile matraquage et tergiversation. Matraquage politique, ça y est, c'est perspective qui visait un complot, un coup d'État. Coup d'État pour violer accord avec résolution qui publié dans le journal officiel PIA qui dit noir sur blanc comment le pouvoir transition doit diriger. Nous avons attiré attention peuple haïtien après tout matraquage, après tout faux scandale, sans provision, sans preuve, flou qu'a fait qui visait assassiner caractère conseiller président Smith. Nous tous connaissons et nous sommes fait expérience là avec le président Jovenel Moïse. C'est tout de suite assassinat physique. Nous tous connaissons et le pays a connaissons bien mode opératoire, groupe puissant à gros l'argent qui toujours campé en face de tout projet démocratique qui visait changement réel, condition de vie du peuple là. Mounsayo, quoi, yo ka campé, yo ka bloqué. Toute démarche qui permet nous changer réellement conditions de vie peuple. Peuple haïtien, parti politique aidé, fait appel à vigilance. Limandez-nous pour nous veiller en haut, veiller en bas.
à toute tentative malfroid qui visait craser transition. Parce que le pays n'est pas prêt pour qu'on ait une troisième transition consécutive. Dans ce sens-là, nous avons fixé position nous pour nous demander chef la police là pour renforcer la sécurité, conseiller président Smith Augustin, pour éviter tout assassinat physique. Nous réitérons la position nous, nous disons que noir sur blanc, faut tout ça qui est écrit en termes d'accord, résolution, décret, qui publié dans le journal officiel pays, dans le cadre de transition, ça, respecté à la lettre pour que le peuple haïtien a réussi à râler en souffle. Nous avons rappelé grand chantier qui caractérisait mission impérieuse pour voir de transition, ça, que nous pas qu'à passer à côté de lui. C'est premièrement gérer la question de sécurité dans le pays pour que les gens qui portent au prince, qui fait va-et-vient pour circuler, pour passer sur la route nationale là, pour que les gens sud, qui allaient sans problème, pour résoudre le problème, les gens déplacés, nous connaissons des milliers de déplacés qui sont dans la zone Kafoufeuille, les gens Matissan, Solino, Grand Ravine, qui ont réussi à vivre tant que les gens. Merci, merci beaucoup. Okay, donc, c'est qu'est-ce que vous